Franchement, c'est un dinguerie, les gars. Lyon a renversé Nantes. C'est un truc de ouf, en fait, après avoir été mené au score. Donc, du coup, je sais pas où est-ce que Lyon va s'arrêter, en fait, les gars. C'est quoi ce délire? Nantes aussi, ils sont, on va dire, dans le dur, ils sont dans le rouge, tout ça. Mais là, à domicile, moi, je trouve qu'ils auraient pu faire le taf. Mais sauf que là, Lyon, ils ont dominé le match, en fait, faut dire la vérité. Donc, alors, quoi, ils méritent la victoire. Parce que Nantes, ils sont contentés de défendre, ils ont été dominés à la possession, même au nombre d'occasions aussi. Donc, voilà, quoi. Ils ont marqué même le but de Nantes, honnêtement. Je ne vais pas dire que c'était de la chance, mais bon, voilà quoi. La tête, elle était. Elle a surpris tout le monde, en fait. Donc voilà, même le joueur qui a marqué. Et après, Lyon, ils sont revenus. Le but de Lacazette aussi, c'est de la chance parce que le défenseur, il a dégagé sur lui. Et après trois parades de Lafond, c'est quoi ce délire, en fait? Donc du coup, voilà quoi. Et Fofana, quand il était rentré, moi, je trouve qu'il est actif, en fait. Il est très intéressant, Fofana. C'est un jeune joueur, mais à chaque fois qu'il rentre, en fait, il. Voilà, il apporte un pot de fougue, il s'affole pas quoi, il fait les bons choix tout le temps, il mérite de marquer. Et Ryan Cherki aussi, je trouve, quand il est rentré, à chaque fois en fait, il déstabilise les joueurs nantais. Ils ont du mal à l'arrêter tout le temps. Donc voilà quoi, on sait qu'avec lui, il peut faire voilà, tout ce qu'il veut avec le ballon. C'est qu'il est imprévisible en fait, Ryan Cherki. Donc voilà quoi, lui, c'est un joueur différent des autres. Et Lacazette, encore une fois. Il était sorti, mais bon, il a marqué ce soir. Comme je l'ai dit, c'est lui qui a permis à Lyon de revenir au score. Et au final, dans le temps additionnel, en fait, ils ont enterré les espoirs à Nantes, en fait. Ils sont partis en contre avec Maman Baldé, qui a donné le ballon de but à Obrane, en fait. C'est ça. Et Lyon, bizarrement, les gars, ils étaient relégables. Ils allaient en Ligue 2. Mais là, ils vont jouer pour l'Europe, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est n'importe quoi, le football, en fait. Ça va trop vite. Un jour, tu peux descendre en Ligue 2. Un autre jour, tu peux jouer l'Europe, en fait. C'est quoi ce délire? Donc voilà, Lyon, comme je l'ai dit, ils sont en train de faire...